Bien, je suis aujourd'hui professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne, où j'ai fait une grande partie de ma carrière. Et en particulier, je me suis spécialisé dans les études sur la littérature chinoise moderne et contemporaine, et même particulièrement sur Pachine, auquel j'ai consacré un grand nombre d'études. Alors, la conférence d'aujourd'hui est une conférence consacrée à Pachine et la France, sachant que la France occupe une place très particulière dans l'existence de Pachine. Et donc, je vais essayer de montrer en quoi Pachine a un rapport particulier avec la France, quel rôle la France a joué dans son existence et pourquoi il avait un attachement tout particulier à la France. Alors, Pachine a un rapport tout particulier avec la France. C'est en France, en effet, que Pachine, en quelque sorte, est devenu Pachine, puisque c'est en France qu'il a écrit son premier roman, Destruction, et que ce roman a décidé de son existence future, en l'entraînant presque à son corps défendant, presque malgré lui, dans la carrière des lettres. Pachine a séjourné longuement en France, pendant un peu moins de 2 ans, en 1927 et 1928, et il y est revenu à 2 reprises, mais très brièvement, pour quelques jours seulement, en 1979 et en 1981. Plusieurs de ses romans ont été traduits en français, et 17 de ses livres, et bientôt 18, ont été publiés en France. Enfin, j'ajoute qu'en mai 1983, il a été décoré de la Légion d'honneur par le président Mitterrand. Alors, la France pour Pachine, ce sont d'abord des influences intellectuelles subies et pour certaines revendiquées. Il s'en est expliqué en 1940 dans un texte portant une date on ne peut plus symbolique s'agissant de la France, celle d'un 14 juillet. Ce que j'aime, a-t-il écrit, c'est la France de Rousseau, Voltaire, Marat, Danton, Robespierre, Hugo, Zola, Reclus, Grave, Faure, Romain Rolland. Des noms évidemment qui ne sont pas à mettre sur le même plan et qu'on peut classer en 3 groupes, chacun de ces groupes correspondant en réalité à une France spécifique. Le premier groupe, donc, c'est la France de Rousseau, Voltaire, Marat, Danton et Robespierre, c'est-à-dire la France des Lumières et de la Révolution de 1789. Voltaire, pour Pachine, c'était le défenseur de la vérité et de la justice, celui qui s'est insurgé contre les erreurs judiciaires de son époque. Et Rousseau, le citoyen de Genève qui rêvait de faire disparaître les inégalités et l'oppression, et dont Pachine dira plus tard qu'il fut, avec ses confessions, son maître à penser. J'ai appris de lui ceci, dira-t-il, tenir des propos sincères, exprimer ce qui se trouve dans son cœur. Quant à la Révolution française, Pachine éprouvait une véritable fascination pour elle, comme le montre l'examen de sa bibliothèque occidentale. On y découvre déjà, sans surprise, car Pachine s'est longtemps réclamé de son auteur, l'ouvrage de Kropotkine, La Grande Révolution, qui avait été traduit en chinois au début des années 30 et dont lui, Pachine, conservait non seulement la version française, mais encore les traductions allemandes, italiennes, suédoises, anglaises et espagnoles. On y trouve aussi les travaux d'autres partisans plus ou moins orthodoxes de l'anarchisme sur le sujet, comme les études révolutionnaires de James Guillaume, ou bien la somme de Daniel Guérin, La lutte de classe sous la Première République. Pachine possédait également l'histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès, dans l'édition Revue par Mathiez, et à défaut de disposer de la série intégrale, il s'était procuré quelques volumes de la version néerlandaise. En langue française, anglaise ou allemande, il collectionnait les synthèses générales, comme celle d'Albert Mathiez ou bien d'Hippolyte Taine, ou des ouvrages dédiés à une figure ou un événement, un fait particulier, ainsi que des ouvrages pas forcément très spécialisés, à l'image des récits de Gosselin le Nôtre, dont Pachine avait acquis plusieurs livres. Et dans le tas, bizarrement, sans qu'on sache vraiment pourquoi, on relève une bonne douzaine d'études sur Marie-Antoinette, dont la biographie de Stefan Zweig dans une édition italienne. Mais à la Révolution française, Pachine a lui-même consacré plusieurs textes au cours des années 30, dans les registres dans lesquels il s'exprimait habituellement. Dans le registre de la création littéraire, avec des nouvelles comme Le secret de Robespierre ou La mort de Danton, qui sont 2 nouvelles qui ont été traduites en français.
dans le registre de la prose libre avec des sanoènes comme Rousseau et Robespierre ou bien la tragédie d'une nuit tranquille, et dans le registre de la traduction avec la pièce du russe Alexis Tolstoï, La mort de Danton, ou bien le poème du français Emmanuel des Essarts sur Lucile Desmoulins. Il s'est même essayé, en bon disciple de Kropotkine qu'il était en ce temps-là, au récit historique avec une histoire de la Révolution française composée en 1936, qui s'ouvre sur la prise de la Bastille et s'achève avec la chute de Robespierre le 9 Thermidor et sa décapitation. Deuxième groupe, la France de reclus, grave et fort, et celle-là, c'est la France des anarchistes. Jean Grave et Sébastien Faure ont été des représentants les plus éminents de l'anarchisme français organisé sous la Troisième République. Jean Grave occupant, en l'occurrence, une place à part, au début du XXe siècle, l'ancien cordonnier qu'il était, avait abrité à Paris, dans les locaux de son journal qui s'appelait Les Temps Nouveaux, une revue anarchiste d'expression chinoise, Xin Shiqi, la Novage Tempo, c'était le sous-titre en espéranto, qui passe pour avoir été un des foyers originels du mouvement anarchiste chinois. Pour ce qui est de reclus, Patchin ne précise pas auquel il se réfère, de quel reclus il parle, mais il s'agit plus probablement de Paul Reclus que de son oncle Élisée, le grand géographe. Ce reclus-là, hein, Paul Reclus, ainsi que Grave et Fort, furent ses contemporains, les contemporains de Patchin, et leurs routes se sont croisées à Paris. Je précise qu'avant de venir en France, Patchin s'était plu à retracer l'épopée de l'anarchisme français, mais sous l'angle des attentats terroristes de ce qu'on a appelé la période tragique, à travers les portraits d'Henri Decamps, Ravachol, Auguste Vaillant, Émile Henry et Santé Cassério. Son récit, librement adapté du livre de Robert Hunter sur la violence dans le mouvement révolutionnaire, le mouvement ouvrier, se terminait sur une appréciation on ne peut plus laudative de la part de Patchin. Bravo à ces pionniers qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'humanité. Enfin, troisième groupe, la France de Hugo, Zola et Romain Rolland, la France des écrivains. De Hugo, Patchin n'a jamais dit grand-chose, si ce n'est que Les Misérables, Les Travailleurs de la mer et Notre-Dame de Paris étaient des romans en vogue du temps de sa jeunesse. Plus tard, il avouera préférer Les Travailleurs de la mer à Proust, Proust étant de toute façon un auteur que Patchin n'aimait pas beaucoup. De Romain Rolland, qu'il a découvert lors de son premier voyage en France, sa connaissance se limitait à Jean-Christophe, aux biographies et aux drames révolutionnaires. Il s'est ensuite détourné de son œuvre et a condamné les orientations politiques prises par Romain Rolland à la fin de sa vie et son soutien aveugle au régime soviétique. Des trois, c'est Zola à propos duquel Patchin a été le plus loquace et c'est assurément Zola qui l'a le plus influencé. Zola est un auteur que Patchin a lu relativement tard et dont il ne connaissait que la moitié d'un livre, Paris, hein, à son arrivée en France. Mais en octobre 1928, à Marseille, tandis qu'il attendait le bateau qui devait le ramener en Chine, il a eu le temps de dévorer d'une traite les 20 volumes, ou peu s'en faut, des Rougon-Macquart. Zola, pour Patchin, c'était d'abord l'écrivain engagé, l'intellectuel qui a volé au secours de Dreyfus. La lecture de Germinal incitera Patchin à écrire un roman sur la mine, mais aucun des deux romans qu'il a publié sur ce thème en 1933, c'est-à-dire Les mineurs d'Antimoine et Neige, ne le satisferont. Paradoxalement, alors qu'il a traduit de nombreux auteurs étrangers, Patchin n'a pas traduit d'auteurs français
si l'on excepte le poème de Des Essarts que j'ai cité il y a un moment, et un chapitre du Germinal de Zola. Mais la France est également le pays où Pachine est devenu Pachine. En France, a-t-il expliqué, j'ai appris au moins deux choses. À Paris et à Château-Thierry, à écrire des romans, à Marseille, à aimer le cinéma. Pachine, donc, est venu en France pour la première fois en 1927, dans l'intention affichée au moins, de réussir là où il avait échoué en Chine. En 1925, le jeune Pachine avait formé le projet d'intégrer l'université de Pékin. Il a changé ses plans en apprenant au cours de la visite médicale à laquelle devaient se soumettre les candidats au concours d'entrée qu'il souffrait d'une faiblesse pulmonaire, laquelle s'est révélée être un début de tuberculose. Alors, il ne s'agissait pas d'un handicap rédhibitoire, mais Pachine a saisi ce prétexte pour ne pas affronter une épreuve à laquelle il redoutait en son fort intérieur d'échouer. Au grand dam de son frère aîné, qui comptait sur ses deux benjamins, Pachine et un autre de ses frères, pour décrocher les diplômes et partant la situation professionnelle, qui aurait permis de sauver la famille, dont il tenait les rênes, d'un naufrage irrémédiable. C'est que le clan, la famille, depuis trop longtemps, s'obstinait à vivre sur un pied dont elle n'avait plus les moyens. Pachine a passé les mois qui ont suivi à Shanghai, à essayer de se soigner, et en se contentant d'écrire et de traduire des textes pour des publications anarchistes. Soucieux néanmoins de son avenir, il a finalement pris la décision, sur le conseil d'un ami, de se rendre en France afin de s'y former aux sciences économiques. Restait à convaincre le frère aîné de financer l'opération, et celui-ci, qui s'imaginait miser sur la carrière d'un futur ingénieur, s'est laissé fléchir, mais apparemment non sans mal. Pachine a quitté la Chine le 15 janvier 1927. Il a embarqué à Shanghai, à bord du paquebot Angers, en compagnie d'un ami qui s'appelait Wei Huilin, et il a fait le voyage qu'on faisait alors pour se rendre en France depuis la Chine, Hong Kong, Kowloon, Saïgon, Singapour, Colombo, l'océan Indien jusqu'à Djibouti et la mer Rouge, le canal de Suez jusqu'à Port Saïd, et puis enfin la Méditerranée jusqu'à Marseille. Un peu plus d'un mois plus tard, Pachine est arrivé à Paris. Il a logé provisoirement, avec Wei Huilin, son ami, dans un petit hôtel du quartier latin, dans une chambre qu'un autre de ses amis, qui s'appelait Wu Kegang, arrivé plus tôt, avait réservé pour eux. Les trois colocataires étaient camarades en idéal, ils se réclamaient tous à l'époque de l'anarchisme et étaient engagés, à des degrés divers, dans le militantisme politique. Et ensemble, du reste, ensemble, ils ont écrit un essai, paru à Shanghai sous forme de plaquette, qui a pour titre « L'anarchisme et la question pratique ». Et si Pachine est devenu l'écrivain que l'on sait, ses deux camarades, eux, deviendront plus tard, à Taïwan, d'éminents spécialistes, l'un d'économie sociale et l'autre de sociologie. À Paris, la vie que Pachine commence par mener est une vie solitaire. Elle est monotone et austère, selon ses propres termes. Et elle l'est d'autant plus que Pachine va cesser, à peine inscrit au bout d'un mois seulement, de suivre les cours de l'Alliance française, faute de pouvoir en payer les leçons. Pachine va tuer le temps en s'absorbant dans la lecture des livres d'économie pour l'essentiel. Ce que son ami Wei a confirmé, précisant au passage que Pachine n'avait pas de petit ami et qu'il parlait peu.
Ses seules distractions, et que Patine a raconté 100 fois, hein, ce sont les visites quotidiennes qu'il rendait à la statue de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Alors la statue de l'époque, hein, la statue en bronze qui a été fondue par les Allemands pendant la guerre, pas celle en pierre qui l'a remplacée ensuite sur le socle. Et puis ses promenades au jardin du Luxembourg. C'est pour réconforter son jeune cœur solitaire, dira-t-il, qu'il a entrepris alors, au son lugubre des cloches de Notre-Dame, de coucher sur un cahier ce qui ressemblait à un début de roman et qui sera, en réalité, le début de son premier roman, Destruction. Par bonheur, le cercle de ses fréquentations, qui se réduisait initialement à ses deux amis Wei et Wu et à trois ou quatre autres compatriotes, le cercle de ses fréquentations donc va s'élargir grâce à de nouveaux amis qui lui ont prêté, dira-t-il aussi, beaucoup de livres précieux. Parmi eux, des étrangers tenus de séjourner pour des raisons diverses en France, des révolutionnaires qui avaient trouvé refuge à Paris et qui venaient de Pologne, d'Italie, d'Espagne ou d'ailleurs, dont Alexander Berkman, aperçu d'abord par Patine à un banquet de la revue anarchiste plus loin, et avec lequel Patine s'est entretenu ensuite à son domicile. Et peut-être aussi le célèbre anarchiste ukrainien Nestor Makhno. Patine fera également la connaissance d'Aniela Wolkberg, une jeune réfugiée polonaise qui poursuivait des études à Paris et animait une feuille militante dans sa langue maternelle, en polonais, Walka, et dont Patine a fait l'héroïne de deux de ses nouvelles, deux nouvelles qui ont été traduites également en français. Ajoutons que lui arrivent bientôt les premières réponses à des lettres qu'il a adressées à des personnalités du monde anarchiste qu'il admirait, au premier rang desquelles Emma Goldman, en qui il voyait alors sa mère spirituelle, ou Max Netlau, l'historien de l'anarchisme, ou bien encore Bartolomeo Vanzetti, qui lui a écrit depuis la geôle où il attend la mort depuis 6 ans, une lettre qui va littéralement bouleverser Patine. Son existence donc s'anime quelque peu, et Patine va remiser son cahier. En revanche, nulle part il n'est question de Français sous la plume de Patine à cette époque, pas même de militants anarchistes. Pourtant, on sait que Patine s'est rendu à un banquet de la revue plus loin, hein, ce banquet où il avait croisé Berkman. Pourtant, croit-on savoir, il aurait rencontré personnellement Sébastien Faure, Jean Grave et Paul Reclus, les trois anarchistes qui symbolaient, comme je l'ai dit il y a un instant pour lui, la France. Curieusement non plus, jamais Patine n'indique explicitement la nature des rapports qui le lient à tous ces révolutionnaires étrangers et qui tous appartenaient à la mouvance anarchiste. Or, le séjour de Patine correspond avec un débat qui aura des répercussions prolongées dans le mouvement anarchiste français et auquel lui-même a pris part. Certains anarchistes russes en exil, que Patine a dû rencontrer, persuadés que leur échec face aux bolcheviks était imputable à l'impuissance intérieure du mouvement anarchiste lui-même, avait publié en octobre 1926, donc peu avant que Patine n'arrive en France, une plateforme d'organisation de l'Union Générale des Anarchistes, dont l'objectif était de mettre sur pied une organisation puissante et unie au point de vue idéologique et tactique. Et leurs thèses furent largement adoptées par le Congrès de l'Union anarchiste communiste, qui était la grande organisation anarchiste française de l'époque, congrès qui a eu lieu en octobre et novembre 1927. Or, et c'est ce qui nous ramène à Patine, dans l'intervalle, le 20 mars 1927, une conférence se tint dans un cinéma de L'Aile et Rose, dans la région parisienne, convoqué par les partisans de la plateforme dans le but de hâter la constitution d'un bureau international anarchiste communiste. Et pour cette rencontre,
Patine rédigea spécialement un texte intitulé « L'anarchisme chinois et la question de l'organisation » qu'il publiera peu après sous le pseudonyme de Zhenping. En revanche, il ne participa pas physiquement au débat et bien lui en prit, car une descente inopinée de la police mit fin aux échanges. On embarqua les personnes présentes et les étrangers qui se trouvaient dans l'assistance furent sommés de quitter le territoire français. Et parmi eux, parmi ces étrangers, il y avait Macnow, Agnella Voltberg et Wu Kegang, l'ami de Patine. Après 4 mois passés à Paris, Patine est parti s'installer à Château-Thierry, dans le département de l'Aisne, département qui est rattaché aujourd'hui à la région des Hauts-de-France. Et il a pris pension là-bas au collège La Fontaine, un collège ainsi nommé parce que le fabuliste La Fontaine est un enfant du pays. Le collège La Fontaine, comme d'autres établissements scolaires et même comme certaines entreprises, accueillait en ce temps-là des étudiants chinois dans le cadre de ce qu'on a appelé le mouvement Études-Travail, lequel mouvement a débuté en 1920 et s'est prolongé jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'était pour le principal du collège une façon d'améliorer les recettes de l'établissement. Les premiers élèves chinois furent reçus au collège La Fontaine en 1921, et grâce au registre d'admission, nous savons qu'il y en avait encore en 1934. Il y en a eu une trentaine la première année, et entre 3 et 9 au cours de chacune des années suivantes. Et parmi tous ces élèves, en dehors évidemment de Patine, on compte par exemple le futur général Chen Yi. Alors ça n'est pourtant pas en tant qu'étudiant ouvrier que Patine a débarqué à Château-Thierry, même si on sait qu'il avait des contacts avec ce milieu. C'est sur la recommandation du médecin qui lui avait conseillé de se mettre au vert, eu égard à sa maladie pulmonaire, et par l'entremise d'un camarade chinois déjà scolarisé sur place, que Patine a choisi d'aller s'installer dans cette petite ville au bord de la Marne, comme il désigne souvent Château-Thierry. Alors cela étant, on ne saurait totalement écarter l'hypothèse selon laquelle Patine, en réalité, aurait décidé de quitter Paris par crainte d'être mêlé, fût-ce de loin, aux conséquences judiciaires de la conférence anarchiste internationale dont je viens de parler. Mais quoi qu'il en soit, le collège La Fontaine offrait à tout le moins cet avantage, pour celui qui ne recevait plus alors aucun subside de sa famille, que le prix de la pension n'y était pas élevé. De sorte que pendant un peu plus d'un an, eh bien Patine va séjourner à Château-Thierry. Patine est arrivé à Château-Thierry le 20 juillet 1927 et il en est reparti définitivement le 17 octobre 1928. Ce sont en tout cas les dates qui figurent sur la carte d'identité qui lui fut délivrée en septembre 1927 par la préfecture de l'Aisne. La carte d'identité en question étant un document de police qui fut instauré en France pendant la Première Guerre mondiale afin de contrôler la présence et les déplacements des étrangers sur le territoire national. Les registres d'admission au Collège La Fontaine des années 26, 27 et 27-28, c'est-à-dire ceux qui en principe auraient conservé le nom de Patine, ont été perdus. Mais la présence de Patine au collège est attestée au moins par 2 documents. D'abord, premier document, une photo de groupe où l'on voit Patine au milieu des élèves du collège, encadré par le principal de l'établissement, Camille Lévesque, et le surveillant général, Jean-François Géronimi. Et puis, deuxième document, la plaquette qui fut imprimée à l'occasion de la distribution des prix de 1928,
sur laquelle le nom véritable de Pachin, Li Yaotang, apparaît avec ceux de trois de ses compatriotes. Alors comme donc les registres d'admission qui nous intéressent ont été égarés, nous ne savons pas exactement combien il y avait de Chinois au collège La Fontaine en même temps que Pachin. Un rapport de police établi en décembre 1927 fait état de 8 étudiants chinois. Toutefois, à la même date, une autre source policière ne recense que 6 étudiants chinois en tout et pour tout, estimation qui est proche de celle que Pachin a donnée lui-même à l'été 1927, qui ne parle que de 4 ou 5 compatriotes. Pour autant, Pachin n'en évoque jamais nommément que 2. 2 camarades, originaires tous les deux de l'Anhui, Zhan Jianfeng et Gui Danhua. Et une célèbre photo qui a été prise chez le photographe de Château-Thierry les montre tous les trois en costume occidental. Et ce sont vraisemblablement ces deux-là, et Pachin, dont le même rapport de police signale qu'ils se rendent 3 fois par semaine, je cite, chez Madame Tasride, rue du Parc, laquelle, en sa qualité d'ancienne institutrice, leur dispense des leçons de français. Et le commissaire de police de Château-Thierry d'ajouter, je cite, les étudiants chinois élèves au collège de Château-Thierry se tiennent tranquilles. Monsieur le principal du collège n'a jamais eu à se plaindre d'eux. Ils sortent ensemble et ne fréquentent pas du tout leurs camarades français. Alors, Zhan Jianfeng, c'est le camarade grâce à qui Pachin a découvert l'existence du collège La Fontaine, où lui-même, Zhan, était pensionnaire. Ils avaient été présentés l'un à l'autre par Wu Kegang quelques jours avant que Pachin n'arrive à Château-Thierry. Zhan Jianfeng, qui étudiait la philosophie, enseigna plus tard cette discipline à l'université normale de Chine centrale, et Pachin et lui garderont le contact bien après leur retour au pays. Wei Danhua, de son côté, embrassera une carrière de professeur de droit, entrecoupée de missions administratives, mais pour, en réalité, assez peu de temps, puisqu'il est mort prématurément de maladie à l'âge de 57 ans. Pachin et ses deux camarades passeront les vacances de l'été de 1928, seuls dans un collège désert, où il n'y avait plus d'autres élèves qu'eux, et ils quitteront Château-Thierry le même jour pour Paris, afin de préparer qui son retour en Chine, qui son installation dans la capitale, afin d'y entamer des études supérieures. Alors, un mot sur Wei Danhua, qui était arrivé au collège La Fontaine peu après Pachin. Wei Danhua a été, à Château-Thierry, le héros d'une ténébreuse affaire qui a défrayé la chronique locale et qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Wei Danhua avait reçu de Moscou plusieurs colis, dont la provenance tout autant que le volume avait suffisamment intrigué le principal du collège pour qu'il juge bon d'alerter les services de police. Les paquets contenaient des brochures, imprimées en russe, qui se révélèrent être de la littérature communiste. Le préfet, puis le ministre de l'Intérieur furent saisis et une enquête diligentée qui révéla que Wei Danhua était un lecteur de l'Humanité, le journal du Parti communiste français, et qu'il avait commandé chez un libraire de Château-Thierry des ouvrages politiques, parmi lesquels le livre de Georges Sorel, La décomposition du marxisme. On en conclut qu'il était un agent à la solde de Moscou. Wei Danhua se défendit, je cite, d'être un communiste qui veut faire du mal à la France. Il prétendit ne pas connaître un mot de russe. Dans cette histoire, affirma-t-il, il avait servi de simple intermédiaire pour un de ses compatriotes résidant en Russie qui ne pouvait expédier les documents directement en Chine pour cause de censure des services postaux chinois. Quant aux brochures, elles n'étaient pas du matériel de propagande, disait-il, mais des documents destinés, au contraire, à édifier les hommes politiques chinois sur les dangers du communisme.
Rien n'ayant pu être retenu en définitive contre Gui Danhua, les brochures furent détruites avec son accord et les choses en restèrent là. Alors il est probable que l'enquête fut bâclée, en tout cas menée trop rapidement, puisque si on se fie à des sources disponibles depuis, une information capitale fut omise sur le moment. Peu avant d'arriver en France, en 1925, Wei Lanhua avait séjourné à Moscou, à l'Institut du marxisme-léninisme. Et ces mêmes sources assurent qu'il dispensa plus tard, au début des années 50, en Chine, des cours de langue russe à de futurs enseignants. Patchin, qui a eu forcément vent de l'affaire des brochures russes, n'en souffle le mot nulle part. Hein, nulle part il n'en parle. Toutefois, Gui Danhua lui a servi de modèle pour un personnage très secondaire de son roman « Destruction ». Alors, il est un troisième élève chinois du collège La Fontaine, dont a parlé Patchin, un élève avec lequel il n'a pas eu le temps de tisser des liens étroits, mais qui l'a marqué à sa manière et qui s'appelait Ba Eunbo. À Ba Eunbo, comme à Jan Tianfeng, Patchin est redevable du pseudonyme sous lequel la postérité se souviendra de lui. Car de tous les noms de plumes dont a usé Patchin au cours de sa vie, pas loin d'une quarantaine, hein, sous bénéfice d'un inventaire complet, c'est celui-là, Patchin, qui s'est imposé définitivement à lui. Alors voici ce que Patchin a écrit à ce propos, hein, je le cite. « Là, je fis la connaissance de quelques amis chinois, là, c'est-à-dire à Château-Thierry. Il y avait parmi eux un camarade de classe originaire du Nord qui s'appelait Ba Eunbo. Nous nous fréquentâmes moins d'un mois avant qu'il ne parte pour Paris. L'année suivante, j'entendis dire qu'il s'était suicidé en se jetant à l'eau depuis le pont au Change. » Nous n'étions pas intimes, il n'empêche que la nouvelle de son suicide m'affligea. Le caractère bas de mon pseudonyme fut choisi par association d'idées avec lui. C'est grâce à cela que j'ai appris que le caractère bas faisait partie des 100 patronymes. Le caractère Qin, je le dois à mon ami de Lanhui, celui qui étudiait la philosophie. J'avais fini de traduire depuis peu la première partie de l'éthique de Kropotkin et la version anglaise de ce livre était encore posée sur mon bureau. M'entendant dire que je cherchais un caractère facile à retenir, il me proposa Qin, presque en guise de plaisanterie. Et Qin, je précise, c'est le dernier caractère de la transcription chinoise du nom de Kropotkin. Bien, à Château-Thierry, Patchin était en principe venu pour se reposer et, accessoirement, pour perfectionner son français. S'il semble avoir bien suivi un cours de français au collège La Fontaine, hein, il s'est montré très discret quant au contenu de ce cours et il ne mentionne même pas le nom du professeur de lettres, qui s'appelait Émile Duracourt, alors qu'il n'a pas oublié celui du professeur qu'il a initié là-bas à l'allemand, et qui s'appelait Gaston Mouton. En fait, à Château-Thierry, Patchin a continué sur sa lancée parisienne et les activités militantes ont dévoré l'essentiel de son temps. Les premiers mois, Patchin a travaillé à la version chinoise de l'ouvrage posthume et inachevé de Kropotkin, L'Éthique, dont il avait entrepris la lecture sur le bateau qui l'amenait en France. Plus exactement, il a traduit, à partir de l'anglais, la première partie de l'ouvrage. Il dira plus tard que ce fut un labeur abrutissant qui excluait toute création romanesque simultanée et qui a eu pour conséquence d'occidentaliser sa langue. Pour l'occasion, eh bien, il s'est plongé dans la lecture des philosophes qui étaient cités par Kropotkin, Platon, Aristote, Spinoza et Kant. Ensuite, au contraire, une fois qu'il a été libéré de ce fardeau, Patchin a pu s'adonner à des lectures moins sérieuses
des romans ou des poèmes de Tolstoï, Shakespeare ou bien Whitman. Il a traduit également d'autres auteurs que Kropotkin. Il a traduit, toujours depuis l'anglais, l'autobiographie de Vanzetti, Une vie de prolétaire, qu'il a publiée en chinois sous le titre La vie d'un poissonnier. Il a traduit des extraits de La signification sociale du théâtre moderne, l'ouvrage d'Emma Goldman, dont il a détaché le chapitre sur le théâtre de Strindberg pour une revue féministe chinoise. Il a traduit un chapitre du livre de Prelouker, Héros et héroïnes de Russie, qui raconte l'histoire d'un mariage nihiliste. Il a traduit un chapitre du livre de Stepniak, La Russie sous les tsars. Et il a traduit également une nouvelle d'un auteur qui a beaucoup compté pour lui, Léopold Kampf, une nouvelle qui s'appelait Vera. Enfin, il a traduit, mais cette fois, non pas depuis l'anglais, mais depuis la version française, un essai de Trotsky sur Tolstoï, qui se trouve être le tout premier travail signé par Patine, du nom de Patine. C'est la première fois qu'il utilisait ce pseudonyme. Les colis reçus par Guaidan Roy depuis la Russie avaient éveillé les soupçons du principal du collège, puis de la police et des autorités françaises. Or, rien de tel, semble-t-il, avec l'abondant courrier, selon ses dires, que Patine, de son côté, a reçu de toutes parts, tandis qu'il séjournait à Château-Thierry. Patine a intensifié depuis Château-Thierry sa correspondance. Il a reçu, pour ce que nous en savons, des lettres, dont plusieurs venues de l'étranger, d'Emma Goldman, d'Alexander Berkman, de Vanzetti, de Max Netlau, et puis du théoricien anarchiste hispano-argentin Diego Abad de Santillan. Patine a trouvé le temps de collaborer à la revue d'un ami chinois vivant à San Francisco aux États-Unis. Cet ami, un cantonais, s'appelait Liu Zhongshe, et la revue, un mensuel d'expression chinoise, avait pour titre Pingdeng, l'égalité. Si Liu Zhongshe a bien été l'âme de cette revue, de Pingdeng, c'est lui qui finançait la revue, et c'est lui aussi du reste qui subviendra à plusieurs reprises aux besoins de Patine, que sa famille ne pouvait plus aider, et c'est même lui qui a payé le billet de retour en Chine de Patine. Patine a joué dans l'entreprise un rôle non négligeable, qu'il a eu tendance à minimiser par la suite. Car non seulement Patine a alimenté la revue en copie, a fourni des articles pour la revue, mais c'est lui qui est l'auteur de la déclaration d'intention anonyme qui ouvre la livraison inaugurale de la revue, parue en juillet 1927, c'est-à-dire au moment même où Patine s'installait à Château-Thierry. Alors là encore, sous bénéfice d'un inventaire plus complet, on peut évaluer à une quarantaine le nombre de textes que Patine a confiés à Pingdeng, des articles ou des traductions, des textes anonymes ou signés de son prénom, voire d'une kyrielle de pseudonyme. Ce qui sans doute a été une façon de gonfler artificiellement les effectifs de l'équipe éditoriale, car dans certains numéros de la revue, on ne compte pas moins de 7 ou 8 contributions de Patine sur les sujets les plus variés. Par exemple, des essais théoriques sur l'anarchisme de Bakounine ou les principes de l'anarchisme, des chroniques internationales, par exemple, il a écrit un article sur les anarchistes espagnols Ascaso Durruti et Jover, des études historiques aussi. Il a fait un article sur l'origine du 1er mai, un article sur l'anniversaire de la Commune de Paris et l'insurrection de Kronstadt, un article encore sur l'anniversaire de la Révolution russe. On trouve aussi, de sa plume, des articles sur la situation en Chine et le Kuomintang, qui venait de rompre de façon sanglante avec le Parti communiste chinois à l'époque, et puis une série de textes sur l'affaire Sacco et Vanzetti, qui a joué un rôle important chez Patine, dont quelques-uns fourniront la matière d'une brochure
que Pacini publiera plus tard sous le titre « Sur l'échafaud ». Mais Château-Thierry, c'est pour tout dire et avant tout l'endroit où Pacini a mis un point final à son premier roman. Un roman qui allait, sans qu'il le sache encore sur le moment, décider de sa vie future. Ce roman, donc qui a pour titre « Destruction », il en avait déjà rédigé à Paris plusieurs pages, ce qui allait donner plus tard, une fois remanié, la matière de 4 chapitres. Il s'était mis au travail en mars 1927, à Paris donc, hein, mais sans probablement savoir encore ce qu'il allait faire de ce qu'il avait écrit, et il n'était pas allé plus loin. Il va reprendre à Château-Thierry le manuscrit laissé en plan, en apprenant, au matin du 23 août 1927, que Sacco et Vanzetti avaient été exécutés pendant la nuit. Il a relu les 2 lettres qu'il avait reçues de Vanzetti, et sous le coup de l'émotion, il a remis fébrilement son ouvrage sur le métier. Il était dans un tel état d'exaltation, dira-t-il plus tard, qu'il lui fut impossible de se relire complètement, de relire complètement ce qu'il avait écrit. Il a composé 2 chapitres d'une traite, et puis 5 autres encore. Et l'un de ces chapitres porte très nettement l'empreinte de Vanzetti. Pacini y détourne, en se l'appropriant, hein, une phrase détachée de l'autobiographie de l'anarchiste italien. Toutefois, accaparé par les tâches de traduction et les activités militantes que je viens d'évoquer, Pacini abandonnera une fois encore son manuscrit. Et il ne le reprendra qu'un an plus tard, alors qu'il vient de recevoir une lettre de son frère aîné et qu'il s'apprête à rentrer au pays. Son frère, comme à l'accoutumée, s'épanche et lui rappelle les espoirs qu'il fonde sur lui au nom de la famille. Pacini, qui n'a pas rempli le programme qu'il s'était fixé, il n'a rien étudié, hein, pas même convenablement le français, Pacini réalise qu'il va rentrer chez lui les mains vides. Il décide alors de réunir les fragments épars de son roman, de les revoir et d'y ajouter de quoi bâtir un véritable roman qu'il pourra offrir à son frère afin que celui-ci le comprenne et lui pardonne. Comme il vient de terminer sa traduction du premier volume de l'Éthique de Kropotkin et que par la même occasion il a, comme il le dit, je cite, « congédié les philosophes grecs et les sages romains », Pacini est en mesure de se consacrer à plein temps à son roman « Destruction ». En juillet et en août 1928, il va aligner coup sur coup 3 nouveaux chapitres, puis il boucle le chapitre qui concerne Guaidanroi. Et ensuite, tout va aller très vite. L'action de « Destruction », donc ce premier roman de Pacini, dont il existe une traduction française, hein, se déroule dans la Shanghai des années 20. Pacini, alors influencé par l'anarchisme et le terrorisme individuel des populistes russes du XIXe siècle, met en scène un jeune révolutionnaire, Doudassine, dont on ignore à quelle idéologie il se rattache, qui n'est ni anarchiste, ni nihiliste, ni individualiste, tout en étant un peu les 3 à la fois. Doudassine, donc le personnage principal du roman, a renoncé aux études universitaires qu'il avait entreprises et à la vie facile qui lui était promise pour se dévouer totalement à la révolution sociale. Il vit désormais parmi les ouvriers et milite dans un groupe clandestin. À l'origine de sa décision de s'engager dans la révolution sociale, il y a sa haine pour une société qui a contraint sa cousine, la femme qu'il aimait, à un mariage forcé. Ajoutons qu'il a eu, comme Pacini, la douleur de perdre sa mère adorée et qu'il est atteint de tuberculose. Le destin,
le met sur la route d'un jeune étudiant, Li Long, qui a une sœur, étudiante elle aussi, Li Tingshu. Li Long et Li Tingshu ne se satisfont pas plus que Doudacine du monde tel qu'il est, mais alors que Doudacine entend le transformer par la haine, eux souhaitent le changer par l'amour. Doudacine et Li Tingshu s'éprennent l'un de l'autre. Pourtant, Doudacine, quoi qu'il lui en coûte, préfère renoncer à son amour plutôt que de renier la cause révolutionnaire qui est la sienne. Un ouvrier de ses amis est arrêté par la police, qui trouve sur lui des tracts rédigés par Doudacine. On le décapite et Doudacine assiste à l'exécution et il se jure de le venger. Et pour ce faire, il va tenter d'assassiner le commandant en chef chargé de l'application de la loi martiale, mais il le rate. Il le rate et il se suicide. Son geste qui s'appuie sur la morale du sacrifice n'en sera pas moins entendu comme une exhortation au combat, et d'abord par Li Tingshu. Alors la construction de ce roman, de ce premier roman, se ressent des circonstances dans lesquelles il fut composé, c'est-à-dire en désordre, et sans autre intention à l'origine que de se libérer d'émotions successives. Autrement dit, en cédant à l'urgence, une tendance que l'on retiendra comme la marque en réalité de l'écrivain, comme la marque de Patine. Les divers chapitres, conçus séparément sur la base de fragments isolés, ont été raboutés après coup au moyen d'un double fil directeur, l'un structurel, dans la relation qui soude les deux protagonistes, Doudacine et Li Tingshu, et puis l'autre, thématique, autour des leitmotivs de l'amour, de la haine et de l'injustice sociale. Les raccords demeurent cependant trop sommaires pour garantir l'homogénéité de l'ensemble, doter les personnages de l'épaisseur qui eût été la leur si le roman avait été élaboré à partir d'eux, et épargner au lecteur l'impression fâcheuse d'être entraîné de loin en loin dans des digressions. Reste une œuvre soulevée par la dynamique de l'émotion et parsemée de brillants morceaux d'anthologie, comme par exemple la scène de la décapitation que j'évoquais il y a un instant. Patine a placé cette première œuvre sous le patronage de deux hommes, son frère aîné, à qui le roman était destiné, et à celui qu'il appelle pour l'occasion son maître, c'est-à-dire Vanzetti. Alors Patine n'avait pas l'intention au départ de publier son roman. Il envisageait seulement d'en faire reproduire quelques exemplaires pour ses deux frères et pour des amis. Il va donc, dans cette intention, charger un de ses amis qui se trouve à Shanghai et à qui il envoie le manuscrit par la poste de Château-Thierry, de s'occuper de faire imprimer son livre. Or, de retour au pays, de retour en Chine, Patine a quitté la France le 30 octobre 1928 et a regagné la Chine au début du mois de décembre suivant. De retour en Chine, donc, Patine aura la surprise de constater que son ami, en réalité, a confié le manuscrit à une revue, la revue Le Mensuel du Roman, et que son roman a été accepté. Et de fait, Destruction paraîtra en feuilleton dans le mensuel du roman entre janvier et avril 1929, avant d'être repris en volume par la librairie Kaiming de Shanghai en octobre de la même année. Et c'est le succès que va remporter alors le roman, auprès de la jeunesse en particulier, qui va pousser Patine, qui ne sait pas trop quoi faire à ce moment-là, à embrasser une carrière d'écrivain. Mais Patine n'a pas encore en tête, à ce moment-là, le grand sujet qui va assurer sa gloire définitive, à savoir le roman Famille, la chronique d'un clan qui se désagrège. En attendant, eh bien, ses premières nouvelles, largement autobiographiques, vont tirer leur matière de son séjour en France, et je signale que plusieurs d'entre elles ont été traduites en français. Patine publie ainsi, à la suite, Exil
et l'arme, en 1930, un homme bon et une lettre, en 1931, et la nuit de Marseille, en 1932. Et en 1933, il va publier les nouvelles dont j'ai déjà parlé, Agnella et Agnella Wolkberg, qui retracent le quotidien qui avait été le sien à Paris. On y voit, par exemple, défiler les gens qu'il avait fréquentés alors. Il y est question des lettres de Vanzetti ou bien de la conférence internationale de L'Aile et Rose. D'autres de ses nouvelles sont nourries de réminiscences de son séjour au bord de la Marne. Château-Thierry, ses lieux et les gens croisés vont être pour le jeune romancier une source d'inspiration directe ou moins directe. Mais Pachine a brouillé les cartes. Si l'arrière-fond est réel, les situations sont inventées, quand bien même les personnages sont pourvus d'identité et de qualité plus ou moins véridique. Ainsi, le Pierre Mouton de Vengeance, qui est une nouvelle de 1930, pourrait bien être le Gaston Mouton, dont j'ai déjà parlé, qui enseignait l'allemand au collège La Fontaine. De même, la nouvelle qui s'appelle « Monsieur Robert », autre nouvelle de 1930, met en scène le professeur de musique du collège La Fontaine, qui s'appelait en réalité Amédée Rosier et non pas Monsieur Robert. Et l'enfant né des amours clandestines de ce professeur de musique et d'une fleuriste, qui est un personnage inspiré de la fleuriste de Château-Thierry, a pour prénom Marie-Paul, comme la fille du principal du collège, qui s'appelait Marie-Paul l'évêque. Le Lion, qui est une nouvelle de 1930, elle aussi, a également pour cadre le collège La Fontaine, le Lion étant le sobriquet dont les élèves avaient affublé un surveillant particulièrement sévère. Le cimetière de la nouvelle, le cimetière, qui date de 1931, correspond tout à fait à celui de Château-Thierry. Et le coiffeur d'Histoire de cheveux, qui est une nouvelle plus tardive, une nouvelle de 1936, a pour modèle un coiffeur de Château-Thierry. Et ce n'est probablement pas un hasard si le journaliste de Vengeance répond au nom de Flamand et qu'un Louis Flamand fut maire de Château-Thierry de 1919 à 1932, c'est-à-dire à l'époque même où Pachine a séjourné dans la ville. En décembre 1946, dans une lettre à un correspondant français, le père Jean Monsterlet, le père jésuite Jean Monsterlet, l'auteur du premier livre jamais publié sur Pachine, soit dit en passant, Pachine a confié sa nostalgie des lieux où il avait vécu en France et des gens qu'il avait rencontrés. Voilà 18 ans qu'il était rentré en Chine et il disait espérer pouvoir retourner vivre un jour, quelque temps, à Paris. Malheureusement pour lui, Pachine est revenu en France, à Paris et à Château-Thierry notamment, qu'un demi-siècle plus tard, à l'occasion de la sortie en France de son roman « Famille », mais il était devenu dans l'intervalle un des grands noms de la littérature chinoise.